lorsqu'on termine de monter, on va voir la mesure. Donc, total, tu 23 cm le total ensemble avec la rangée des dents du chat et le point ajouré et reste donc 23 cm. Lorsqu'on arrive à ces 23 cm, on va faire 15 diminutions, fait une, deux mailles, 3, 4, 5, fait 2 mailles ensemble, une fois, 1, 3, 4, 5, 2 fois, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 9, 10, 11, 12, 12, 13, 14, 14 et 15. Donc on diminue 15 mailles une fois, on veut refaire, donc on termine. On repart à l'envers sur toute la rangée. Donc, on termine la rangée à l'envers. On tourne de nouveau, on va voir. On va refaire dans 15 diminutions. 1, 2,
3, 4, 5, 6. On refait une autre. 1, 2, 3, 4, 5. On refait deuxième. Donc, on va faire 120. On fait 15, 2, on fait 30 mailles. Une fois, deux, ça me fait trois, et on fait une diminution au total 15. 14 et 15. Et on repart à l'envers sur tout. La rangée. Donc, on termine la rangée à l'envers. Cette fois-ci, on va réaliser. Donc, on fait une maille à l'endroit, on va réaliser des côtes en 1, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers sur toute la rangée. Maille à l'endroit, une maille. Oh. Ouais. À l'endroit, une maille à l'envers. Donc, on va terminer par à l'endroit et une maille à l'envers. On tourne le travail. On repart, on prend les mailles comme elles se posent, donc une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, et une maille à l'envers, et on répète donc ces deux rangées. Et donc, on termine la rangée. Nous avons ici, alors cette fois-ci, on va remonter au total, on va remonter 8 rangées tout en jersey endroit avant de pouvoir former donc les émanchures. On tricote toute la rangée à l'endroit. On termine donc la rangée à l'endroit et pour repartir, on va tricoter toute la rangée à l'envers et on va remonter donc 8 à 10 rangées en jersey endroit. Donc on répète ces deux rangées 8 fois. Alors donc après avoir monté les 8 rangées en tout en jersey endroit cette fois-ci, on va procéder donc aux diminutions
Donc la formation dimanche cela. Je vais diminuer la première fois 3 mailles, une maille, 2 et une troisième. Et je tricote le reste à l'endroit. On termine. On tourne le travail. Cette fois-ci, on va diminuer les 3 mailles de ce côté aussi. Donc, on fait une diminution. Seconde. Et troisième. Et on repart à l'endroit. Sur toute la rangée. Et on termine rangée à l'endroit, à l'envers plutôt, on tourne le travail. Une seconde fois, on va diminuer donc une maille. 2 mailles et 3 et on repart à l'endroit . On termine la rangée, on tourne le travail. En repartant, on va faire 3 diminutions. Fait 1, 2 et 3. On repart à l'envers sur toute la rangée. Et on termine donc la rangée à l'envers. Donc, cette fois-ci ici, on va diminuer une maille, 2e. Et on prend toute la rangée à l'endroit. Alors, on termine. On tourne. Ici aussi, on va diminuer les 2 mailles, comme on a fait au début. Une fois. Et 2 mailles. Et on repart à l'envers sur toute la rangée. Termine la rangée à l'envers, on tourne le travail, on fait une 2e fois donc 2 diminutions, une fois, 2 fois, et on prend le reste des mailles à l'endroit.
on termine la rangée. Et en repartant, on fait deux diminutions ce côté. Et on repart à l'envers sur toute la rangée. Donc, on termine la rangée tricotée à l'envers. Vous voyez, donc on a diminué 3 mailles une fois, 3 mailles deux fois, 2 mailles une fois, 2 mailles deux fois, et ici on va diminuer une maille une fois. On prend toute la rangée à l'endroit, hein? Donc, on termine la rangée, on tourne le travail. On fait une diminution, on repart à l'envers. On termine la rangée tricotée à l'envers, on tourne le travail, on refait une diminution. On tricote tout à l'endroit. On termine la rangée. On tourne le travail. Donc, une diminution, on tricote toute la rangée à l'envers, on termine première partie, on fait une dernière fois donc une diminution. On termine rangée, on tourne le travail, on fait une dernière diminution donc une maille et on repart à l'envers. On termine. Voilà. Terminé. Donc là, on vient de former donc les émanchures. Alors après, je vais monter au total. Donc je vais rajouter 10 rangées en jersey endroit. On tricote 10 rangées en jersey endroit à partir d'ici. Donc, on fait pause un petit. Alors, lorsqu'on termine de monter, donc on va essayer de mesurer. On prend compte du début, donc à la fin, on a au total, disons,
on doit voir. Donc, tout à l'heure, on va monter 12 cm en jersey en droit. Donc, en commençant après la fin des rangées de côtes, on va monter 12 cm. Au total, il me reste encore, disons, 4 rangées à faire pour avoir 12 cm. Donc, lorsque je vais atteindre 12 cm, je vais laisser en attente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20 mailles. On laisse 20 mailles. Oh, excusez-moi. On laisse 19 mailles en attendant. Oui, c'est ça, 20 mailles. Je vais me tromper. Et donc, mais on va arrêter au total 24 mailles. On fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 et 24. Ici, je dois avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10. Ce qui me fait 20 mailles de chaque côté. 2, 3, 4, 6, 8, 9 et 10. Les 20 mailles, je vais monter 4 rangées en jersey droit. Pardon, donc je fais 1 rangée aller à l'endroit. Je retourne, je tourne tout à l'endroit. Donc je vais monter au total 4 barres de points de mousse de chaque côté. Je vais changer un peu. On retourne et on refait 3 barres de points de mousse ce côté-ci. Une petite modification, vous allez m'excuser. Donc on fait 1 barre de points de mousse et on monte 6 rangées en jersey en droit. Après 6 rangées, on arrête, on laisse en attente donc les 20 mailles.
20 mailles et on revient donc sur les 20 mailles qu'on a laissées en attente. On est comme ça. Donc on va travailler une rangée aller à l'endroit, donc pour avoir une barre de points de mousse, et puis on va monter 6 rangées en jersey endroit. On monte une barre de points de mousse, après on tricote 6 rangées tout en jersey endroit, donc pour avoir la barre de mousse, points de mousse. Après on va laisser en attente les 20 mailles pour faire donc le second morceau. Lorsqu'on termine de monter la rangée à l'endroit, donc on tourne le travail et on monte 6 ranger un jersey endroit et on va laisser en attente les 20 mailles. Alors donc voilà terminé, et si on a on va laisser en attente donc les 20 mailles et on va réaliser donc le second morceau, le dos. Bon, pour le dos on fait la même chose, les mêmes diminutions, et on monte les mêmes distances. Donc après les diminutions, on va monter au total 6 cm. Donc 6, 7, 8. On va monter 6 cm en jersey endroit sans faire des diminutions pour les mailles centrales. On travaille normalement jusqu'à ces 6 cm. Après les diminutions, on prend 6 cm pour le dos. Donc pour le dos, lorsqu'on va, voyez, même distance, et cette fois-ci on va, donc je vais laisser 20 mailles en attente de chaque côté, je vais arrêter les 24 mailles centrales, après je vais pouvoir donc faire la couture. Donc on laisse 20 mailles et on arrête 24 mailles centrales comme on a fait pour le devant. Donc, on laisse 20 mailles, on arrête 24 mailles centrales, on laisse 20 mailles de chaque côté. Donc 19, 20 et on va arrêter 24 mailles centrales comme on a fait pour le devant. On fait une rangée aller à l'endroit et on laisse les mailles en attente. Après, on fait la couture. C'est ça. On termine. Couture. Simplement retourner. Je prends les deux côtés. Je vais faire couture.